Yo tout le monde, c'est Alex, on se retrouve aujourd'hui pour un entraînement long. On est lundi 19 avril, quelque chose comme ça, enfin bref, je sais plus. La date s'affiche de toute façon. Ça fait déjà une grosse heure que je roule, j'ai fait un peu plus de 30 km. Aujourd'hui je fais une boucle assez particulière. Je fais Charleroi, Dinan, Dinan, Namur et Namur, Charleroi. Donc je suis parti pour un peu plus de 4 heures d'entraînement. Le temps est beau, il y a énormément de vent. On parle de rafales de vent qui tournent autour, enfin pas des rafales, mais un vent continu autour de 25-30 km/h, donc c'est un petit peu fort. Et pour le moment je prends deux côtés et deux faces, mais au moins au retour je serai tranquille, je vais pouvoir mettre les réacteurs en marche. Donc ici c'est la citadelle de Dinan, c'est la première citadelle du parcours. Après on va aller voir celle de Namur. Je sais pas si on va aller jusqu'en haut de celle de Namur. Ici à Dinan c'est très très raide comme vous l'imaginez, vu qu'ici on est vraiment au fond de la vallée avec le cours d'eau. Et là on est complètement en haut du rocher, donc on va pas aller parce qu'aujourd'hui c'est de la récup. Mais à Namur c'est un peu moins raide, donc on ira peut-être faire un tour, mais les paysages ici sont splendides. Les amis, donc ça y est, premier point de passage atteint, je suis à Dinan. Et si vous regardez bien, là il y a le rocher de Dinan, donc en fait c'est un rocher qui est cassé en deux. Il est là, c'est un peu compliqué. Et là en fait, du coup il y a une route qui passe entre ces deux rochers. Et alors là maintenant on va direction la citadelle, puis on suit la Meuse qui est derrière moi pour aller jusqu'à Namur. Salut à tous, on est le lendemain de la grande sortie. Alors hier pour finir, vous avez vu, j'ai pas été à Namur parce que je me suis perdu. Mais l'objectif c'était de faire 115 km et j'en ai fait 130, donc c'est bon. Et actuellement je suis avec ma chérie, on est en train de courir en endurance. Donc on a déjà fait 2 200 km. Et on est dans un parc où ça n'arrête pas de monter. Et vous avez vu, mes cheveux ça s'arrange pas avec le confinement. Je crois que je suis pas tout seul dans le cas. Allez, à tout à l'heure. Bon, après la sortie course à pied de ce matin, là c'est endurance récup, je vais avec Cyril, un pote à moi. Donc je rappelle qu'en Belgique c'est autorisé de rouler avec un proche, donc je le fais. Enfin un proche, n'importe qui en fait, tant qu'on est maximum 2, donc un groupe de 2 c'est maximum 2. On va faire un petit tour récup en allant s'amuser dans les bosses, et donc je vais vous en profiter pour vous montrer un petit peu les bosses que je prends dans ma région. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a d'autres dans un autre coin, mais là on va dans ce coin là, et je vais vous montrer ces bosses là. Alors il y a toujours beaucoup de vent, on parle de rafale de vent autour de 75, donc 75 km/h, et un vent continue aux alentours de 30 km/h, donc c'est comme hier, ça va être un peu galère, la moyenne va pas être très belle, mais bon, c'est de la récup, c'est de l'amusement, il fait beau, c'est le bronzage, donc je suis parti. Yo les copains, toujours dans ce vlog, on est au-dessus de Namur, on vient d'enlever les vestes là parce que putain qu'est-ce qu'il fait chaud. Il faisait 4 degrés ce matin quand je suis parti, il en fait 20 maintenant au haut de la citadelle. J'ai fait 75 km, je suis avec Cyril qui a été plus malin que moi, il a pris des jambières. Donc il peut les enlever, moi je suis en long, donc je vais tout simplement crever de chaud des jambes. Donc voilà. Il est quelle heure? Il est 11h, c'est pour ça qu'il commence à faire chaud. Et regardez ici, on a la citadelle, on vient de passer le départ qui est juste là-bas derrière moi du départ de la Coupe du Monde de cyclocross. Et coucou les copains, attendez, j'allume la lampe. J'allume vite fait les softbox, ce sera plus joli. Voilà. Ah, c'est mieux, on y voit plus clair. Alors, on est le 2 mai. J'ai pas filmé tout le temps, mais si vous allez sur Strava, vous pouvez voir quel type d'entraînement j'ai fait. Là pour le moment j'ai levé un peu le pied parce que demain c'est la course des youtubeurs. Donc en fait j'ai refait un petit peu mon studio ici à Charleroi pendant que je suis chez mes parents, parce que après je retournerai dans un nouvel appartement avec Camille, on déménage en juillet.
Mais là, actuellement, avec le confinement, l'appartement est très petit. On ne voulait pas être dans un endroit petit. Donc, je vous fais un petit room tour. Et puis, je vais vous montrer mon installation du coup pour la course des youtubeurs de demain. Du coup, ça, c'est plus ou moins la vue que vous voyez dans mes nouvelles vidéos. Du coup, la vidéo sur pourquoi les cyclistes se rasent les jambes, vous aurez genre une vue qui sera prise de plus ou moins ici, un truc comme ça. Donc, j'ai mon canapé décor avec mon vélo qui est là. Il fonctionne très bien, mais juste, il n'y a pas de pédale. Donc, voilà, petite carte du monde. Ici, il faudrait donner un petit nom à ce nounours qui a une casquette Skoda du Tour de France. On peut l'appeler nounours, hein. Donc voilà un petit peu de souvenirs, tout ça. Je vous montrerai tous ces dossards là, à quoi ça correspond. Regardez, j'ai une boîte à souvenirs ici avec plein 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 de souvenirs que je pourrais aussi vous expliquer. Donc voilà. Et puis l'important pour demain, c'est ce vélo qui est prêt. Alors là, l'image est un peu cramée là, mais ce vélo qui est prêt pour la course de demain. Donc voilà. J'espère que ça se passera bien demain. ça va être dur. Le circuit est très 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 dur. Bon, en attendant pour ce vlog, je vous laisse ici. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, un nouveau vlog. J'espère que ce format vous a plu. J'ai essayé de rendre ça un petit peu plus dynamique. En tout cas, si ça t'a plu, l'abonnement, le pouce bleu, le commentaire, ça fait toujours plaisir. Salut, salut.